Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la prière du matin, prière du soir, et bien sûr, d'autres prières. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont importantes. Non pas que notre Seigneur Jésus nous ait imposé des heures de prière, une quantité de prière. Nous sommes libres. Je ne cesse de vous le répéter. Nous croyons en un Dieu trinitaire, le Père de Jésus, notre Père, Jésus, le Fils unique, et Dieu, le Saint-Esprit. Donc nous comptons sur la parole de Jésus, bien sûr, qui nous enseigne, qui nous nourrit, et nous écoutons aussi l'Église catholique, deux fois millénaire, qui est une richesse incommensurable, gigantesque, d'amour, de sagesse, de conseil, avec les innombrables saints, docteurs de l'Église aussi, qui ont apporté tant de richesses. Moi, mon humble niveau, je vous invite à, premièrement à écouter la parole de Jésus qui nous dit « Priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation ». Ce qui peut s'expliquer quand on voit, qui s'explique très bien quand on voit l'état du monde, que nous avons bien des occasions de chute, bien des occasions de difficultés. Et donc la prière devient vraiment notre relation essentielle dans ce lien d'amour avec Jésus qui veut nous protéger, mais il ne peut pas nous protéger contre nous, bien sûr. Il faut que nous soyons acteurs de cette protection en la désirant et en même temps en développant notre conscience de ce qui se passe autour de nous. Il ne s'agit pas d'avancer, voilà, je prie et je fais n'importe quoi. Jésus nous dit par exemple d'être prudent comme le serpent. Il nous dit, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Peut-être que je ferai une vidéo rien que sur cette parole. Mais pour en revenir à la prière, donc, s'il est entendu que la prière n'est pas une obligation, elle est une nécessité pour nous, de façon à être à son écoute et demander humblement la protection, sa protection à lui, Jésus, notre seul sauveur, la protection de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange. Vous voyez la vidéo sur Saint Michel Archange, la prière à Saint Michel Archange. Donc, la prière du matin, elle peut être peut-être très tôt le matin. Si vous êtes réveillé dans la nuit, c'est une formidable occasion de prier. Après, les choix de prière, vous regardez sur Internet les prières catholiques, ou alors dans le missel, que je vous ai regardé la vidéo sur le missel. Si vous trouvez un vieux missel, vous aurez plein de belles prières magnifiques
Hein, les prières du matin, les prières du soir, les prières du milieu du jour, les prières de la nuit. Mais toute prière, déjà, si elle, quand elle vient de notre cœur, c'est l'essentiel, sachant que nous avons connaissance de la prière de base, celle que nous a enseignée Jésus, le Notre Père, et le Je vous salue Marie. La Sainte Vierge, en apparaissant en 1900, 1846 à la Salette, avait dit aux trois petits-enfants, où elle reprochait le manque de prière, où elle disait, si seulement vous disiez ne serait-ce qu'un Notre Père et un Je vous salue Marie, le soir en vous couchant et le matin en vous levant, ce serait déjà, ça changerait beaucoup de choses dans vos vies. Et là, elle disait ça pour tout le monde, hein. Elle nous le dit à tous, à travers ses petits-enfants, elle nous le dit à tous. Donc, prière du matin, une belle occasion de vraiment bien commencer sa journée en l'offrant à Jésus, en lui confiant cette journée qui vient le matin. Et bien sûr, nous aurons la grâce de commencer la journée à l'endroit, c'est-à-dire avec cette paix et cette puissance de notre Dieu qui est Jésus pour accomplir notre journée avec certainement de belles grâces qui seront au rendez-vous. Donc la prière du matin, et je vous l'ai dit, il y en a, mais à mon humble avis, le Notre Père, le Je vous salue Marie, déjà essentiel à faire en premier, comme à faire le soir avant de s'endormir. Donc prions. Je ne peux que vous encourager à prier le matin et le soir. Je pense aussi que dans la journée, nous pouvons, nous avons des occasions de prier, comme nous le disons habituellement, nous catholiques, de faire une dizaine par-ci, une dizaine par-là. C'est ce que nous appelons une dizaine, c'est un Notre Père et dis Je vous salue Marie. Et un gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cette régularité est vraiment fondamentale. Et il y a de fortes probabilités que ça soit de plus en plus nécessaire. Car ce monde, nous vivons un monde qui est violent, qui est difficile, et nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, pour nos familles, mais aussi pour la France, pour l'Église, en étant attentifs à nos proches, nos amis. Nous savons bien que nous avons, il y a des gens qui sont malades, donc nous pouvons les confier. Simplement dire à Jésus que nous lui confions telle ou telle personne. Dès le saut du lit, un Notre Père, un Je vous salue Marie, dès le saut du lit. Et bien sûr, une prière dite avec le cœur, avec amour envers celui qui nous aime, Jésus, avec amour envers notre Mère Marie qui nous aime,
envers Saint Joseph qui nous aime. Alors après, vous pouvez dire des prières à des saints. Notre Père, je vous salue Marie. Prière à Saint Joseph. Moi, je prie le Père, Jésus, Marie, Saint Joseph, et bien sûr, vous vous en doutez, Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Voilà, les amis, prière du matin, quelques dizaines dans la journée, si vous pouvez en dire 5 de façon à former le chapelet. Comme ça, vous aurez fait votre chapelet chaque jour. C'est une belle offrande parce que chaque dizaine offerte à la Sainte Vierge, ce sont des miracles. Faut pas penser qu'à soi. Chaque chapelet que vous nous offrons à la Vierge, chaque dizaine, et bien sûr chaque chapelet complet, ce sont des miracles qui ont lieu dans un coin de la planète, ou peut-être à côté de chez nous, puisque Marie les offre à Jésus. Et cette force, ce don que nous faisons de prier, va servir à guérir une personne, sauver une personne de la noyade, ou les exemples sont infinis. Donc offrons-les de bon cœur. Faisons-le de bon cœur, sachant que c'est pour des personnes, peut-être que nous ne verrons certainement jamais, mais des grâces qui ont été offertes. Et comme Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, faisons-le. Voilà les amis, prière du matin, prière de la journée, prière du soir, prière de la nuit, espoir. Espoir en toi Jésus, notre Sauveur, bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Jésus de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs familles. Que tout soit pour ta gloire, Jésus, et le salut de nos âmes. Amen. La paix soit dans votre maison. À bientôt, les amis.